arrive ici vers 6h30 du matin, on gère toutes les livraisons, on fait l'accueil des fournisseurs, on regarde avec eux ce qu'il faut recommander, tout ça. Après, on stocke le matériel, on fait un petit check, tout ce qui est sac poubelle, remettre des nouveaux, on fait un petit coup de vaisselle de la veille. Après, il y a mes collègues qui vont arriver vers 10h, on fait un petit débrief ensemble, ce qui a été hier, ce qui n'a pas joué, ce qu'il faut qu'on regarde assez important. On commence à faire la mise en place de la journée, tout remplir les congèles, les frigos, et puis autour de 17h, comme ça, on commence vraiment à se mettre en place pour tout ce qui est caisse. Regardez si nos bénévoles sont bien arrivés. On est en minimum 16 bénévoles et au maximum 27. On fait l'accueil des bénévoles, on les met en route. Et puis après, toutes les 4 heures, on fait des tournus. Et puis on finit entre minuit et 2 heures du matin. Non, ça va, les gens, hein, c'est l'habitude. Enfin, ils ont tous déjà fait les bénévoles en cuisine et tout ça. Après, c'est juste les menus qui changent et puis ils s'adaptent super bien. Ils sont vraiment sympas. Bien donner des coups de main quand faut ranger, ils sont là. C'est vraiment chouette comme ambiance.